Alors Jean-Paul, donc Vesoul qualifié pour les huitièmes de finale, je suppose hyper content. Ouais, hyper content parce que c'est vraiment un rêve. Et hyper content aussi pour une ville, pour Vesoul, pour un département, la Haute-Saône et pour la région, parce que tout le monde était là ce soir, tout le monde nous a supporté, les bus. Ils ont tout fait pour mettre 13 bus en place pour venir nous encourager. Et je pense que c'est fabuleux pour tout le monde. Et surtout, cette victoire, elle revient aux joueurs parce qu'ils ont été encore extraordinaires. Alors, quand on revient un petit peu en arrière, Vesoul, il n'y a pas si longtemps, en CFA 2, repêché en CFA, c'est un beau clin d'œil au destin, non? Ouais, c'est un gros clin d'œil au destin, mais cette équipe, je l'ai dit depuis le début de saison, je sais que c'est une équipe jeune, mais qui est capable de renverser des montagnes quand elles jouent ensemble, quand ils se mettent le cul par terre. Et là, ils viennent de montrer deux matchs de Coupe de France. Alors, c'est bien, mais je vais être encore plus dur avec eux parce que ce qu'ils montrent en ce moment, on peut pas faire autrement que de le refaire en championnat. Et s'ils font ça en championnat, bien sûr qu'on laissera quatre équipes derrière nous, mais il faut qu'ils refassent cet exploit-là. Alors la question pour terminer, demain soir à 19h30 le tirage, question habituelle, une préférence, une grosse équipe à Hologne Je dis moi je veux une grosse équipe à Hologne, ça fait 3 tours que je le dis, à chaque fois on a, comme je dis, un tirage de merde, hein, soi-disant, et on passe le tour, donc je vais dire plus rien, moi je veux toujours une grosse équipe à Hologne, et puis si on a un tirage de merde qu'on doit passer le tour et aller en quart de finale, ben, on va s'en priver. Ben, merci Jean-Paul, et puis à très bientôt sur le site. Merci à vous tous et surtout merci aux supporters, ils ont été fabuleux et je pense qu'on leur rendra parce qu'ils méritent une grosse affiche à Vesoul.